Non, d'abord je te dis, c'est le prendre le je suis prêt. À la bonne chance. Voilà, c'est comme le dire. Si je perds, je jouerai une game. Quoi? Ça dépend. Mais en général, dès que tu sais où il drift, tu sais qu'il va pas. Bam, 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 bam. Je reviens vite fait, je te laisse cast. Vas-y. Mets les infos. Ouais. Ah putain, mais du coup, je sais. C'est un peu dur de savoir qui joue qui parce que les deux jouent Rondoudou, les deux jouent héros. Rondoudou ultra, héros. Ouais, c'est bon, t'inquiète. Ok, c'est bon. Alors, première vie qui a été prise du côté de Ultrastar. Qui pour l'instant survit même si c'est malaise 123%. Rondoudou c'est léger, donc ça peut partir sur quasiment n'importe quelle attaque de héros. Mais c'est aussi très bon en ledge trap, donc en edge ward, pardon. Et en ledge trap aussi. Et donc, Diet peut aussi mourir très rapidement avec ce 2-frame Odin Smash, si je dis pas bêtise. Et lead directement pris de la part d'Ultrasar, c'est dur pour Diet sur cette première game. Je viens de réaliser que c'était DF, mais sur la version map du Pyramitra. Ok, donc la première stock a été prise du côté de Diet, on va voir ce qu'il va essayer de faire. Faut pas oublier qu'avec ses buffs, Rondoudou peut mourir extrêmement tôt. Je pense que à 0% s'il y a les deux boosts, c'est mort. Si shield, il est mort aussi. Bonjour Saka, viens caster avec moi. Bonjour, bonjour. Alors le match-up, qu'est-ce que c'est? Oula. C'est bon edge guard de Rondoudou et le shield break. C'est vrai que pour le coup là, Héros c'est un bon argument contre Rondoudou, mais c'est un peu mitigé parce que tu vois, Héros il a l'avantage de la range, il a l'avantage des buffs et tout, mais Rondoudou il le touche une fois et edge guard et c'est fini pour lui. Ouais. Il y a une stock qui est partie en tout frame au Don't Smash comme ça. Ouais, voilà. Donc, ça c'est fort aussi. Ouais. Rondoudou est très très fort contre les persos un peu. Ouh, la torpe. Non, c'est bon. De toute façon, c'était en l'air, il se réveille rapidement. Ouais, puis le temps qui. Ouais, c'était bon. Ok, le crâne. Et ce qui est fort aussi avec Hero, c'est que en général, t'as pas le temps de lire les trucs. Ah, bah on a tourné la tête parce qu'il y avait des gens qui toquaient à la fenêtre. Et du coup, c'est Ultrastar qui prend cette première game. J'affronte Evolt en stream là. Merci. Et du coup, première game pour Ultrastar, j'ai pas vu ce qui s'est passé. J'ai pas vu non plus, on s'est fait déconcentrer. Ok, super. Ah, c'est moi là, salut la caméra. Wouah. Ouais, mais t'inquiète. Pour 5€, ça passe. Peur, hein. You. Je me suis acheté des frites. Ça. Fais gaffe parce que tout à l'heure, on y match. Tous les deux. Ouais, t'inquiète, j'ai pris du stick. Il est en train de jouer là-bas. Et ça repart sur la même map. Encore DF version Pyramitra. J'ai l'impression qu'ils aiment beaucoup Xenoblade 2. C'est ouais. Une impression, hein. je m'avancerai pas. Ou alors ils sont très fans de nuages. Ok, attention à l'edge guard, attention à. Héros qui est très susceptible ce joueur dans le ouais. Merci. Il y a plus de jump. Ah, il a tenté de trouver le zoom. Malheureusement, il l'a pas eu. Il meurt quasiment. C'est quasiment 0 to death. Hein. Et ouais, encore une fois, Puff, hein, très très fort. En vrai, Puff est un peu sous-estimé dans la méta. Je suis d'accord. On avait vu, c'était. C'est Bassmage. Non. Bassmage. Ouais, Bassmage qui joue au Rondoudou. Qui a un Edgeward. Mais Rondoudou, c'est très léger et ça meurt. Et puis Héros, c'est tellement fort, hein, bien sûr. Ouais. Ah, là, on a plus de jump. Non, j'avais mal vu en fait, my bad. Je suis vraiment pas un très bon joueur. Ouais. Attention, Falling Nair, voilà, ça va cash. On a la téléportation, donc là, on peut plus rien faire du coup dans Rondoudou. Vieux de respecter, on a plus ça à faire. Mais il y a plus de PM, hein. Donc. C'est vrai qu'on a plus de mana, donc là c'est. Ah dommage, fallait read celui-là. Moi j'ai la chance avec Steve, je fais un dodge hit et j'ai gagné la game dans tous les cas. Et puis là c'était un shield, c'était la fin de la stock hein. Ouais, sans shield non plus je pense. Mais là, c'est là.
Le super accéléro qui va vous permettre de, bien bait and punish. Vibrer quelques PM. Backer qui avait touché, hein, pour le coup, ça aurait été un peu d'un. On a plus de mana encore une fois, ouais, du côté du héros. Il va quand même pouvoir revenir. Oh, le petit buff, le petit. Alors celui-là. Alors le petit souhait, c'est un coup qu'on voit. Parce que j'ai pas l'habitude forcément de le voir avec comme tout. Ah, 53%, ça dégage. C'est même pas un crit. C'est débile. En vrai, je me plains pas parce qu'avec Bowser, je suis pareil. Donc. C'est vrai. Mais ouais. Donc là, pour le coup, on est revenu à Even. Et là, pour le moment, on a Ultrasar qui prend un bel avantage. Un beau backer ici en read the jump. Et voilà, le reverse, en tout cas, du héros. Let's Guard qui est... À chaque fois, il tente le donner, j'ai l'impression. Avec pas... qui? Avec héros? Ouais. Oui, alors, le... En fait, c'est compliqué avec héros, c'est que pour toucher vers le bas, il a que le donner. Ça a la chance d'avoir une longue hitbox, mais c'est pas la meilleure, quoi. C'est ouais, juste pour ses... C'est un peu un get of me tool, quoi. Ok, attention, attention, là on est off stage, encore une fois on a très peu de mana, faire attention, si on n'a pas de réflexion là, pas de téléportation. Oh, la téléportation qui est trouvée. Ouais, il avait un mana exprès, c'est une dinguerie. T'imagines si ça avait été un crit là. Mais là il y a de graves moyens que pour le coup... Là les deux, c'est even, non? Et oui, les, hein. Les deux sont à quel pourcent? Ah non, c'est les bon. Les stacks sont even. Ça va, non, ça va, ouais, pas non, revenir, ça va pas revenir malheureusement. Pas. Et c'est parce qu'il s'est fait appeler en plein match aussi, putain. Ah, ça a l'air important. Ah, c'est la bouffe. Le Uber. Ah bah écoute, c'était plus important que le match. Oui. Attention à toi. Je reviens, je vais juste prendre à boire. Vas-y, vas-y. Prends la place. Vas-y. Tu vas voir. Vas-y, décale-toi un petit peu comme ça, tu rentres. Ah oui, le retour du casque de Léane. Bah ouais. Ah oui, tu me fais plaisir. Tant mieux. Je vois pas. C'est un type de média qu'on veut. Je veux bien. Merci. C'est super sympa. Je sais. Pour qui là? Tu voles mon scène? Mais je veux même m'asseoir. Okay. Ah, je prends le meilleur casteur du monde. Hein. Et ça va partir sur le billet. Lady first. Donc c'est moi qui casse. Ah, en vrai, je m'y connais, t'inquiète. Je suis pas de ce genre-là. Du coup, ça reste sur Nodo pour Ultrastar, mais ça passe sur Billette pour Dilette. Ouais. Je pense que son pseudo vient de ce perso. Mais pour le coup, ouais, c'est un perso qui connaît un peu plus. Déjà, il a le pseudo qui va avec, donc forcément, ça aide. Il y a un buff. ça veut tout dire, hein. Et je crois de base, c'était vraiment son main, hein. Mais il a joué héros parce que des histoires comme ça, je crois, je suis pas certain, mais il y a eu un bail comme ça. C'est pas impossible. Mais en tout cas, à chaque fois, DF, c'est Ultrastar qui est ok pour DF, alors que pour moi, c'est pas forcément une bonne map pour Doudou. Ouais. Parce que ça se fait juggle rapide, facilement. Mais je sais pas, tu vois, parce que... Je sais pas, en vrai, j'ai pas assez de me donner le match-up là-dessus. Mais en tout cas, ça embête pas mal Bilas, hein, de pas avoir de plateforme. Par contre, moi, je veux dire un truc, mais pour l'instant, on n'a pas vu un seul reste. Mais en fait, ça dépend des joueurs. Il y a des joueurs qui sont très rest et des joueurs qui sont vraiment pas rest. Genre Best Mage, je fais quasiment jamais de rest, tu vois. Ouais. Et pourtant, c'est le meilleur. Ultra trop fort. What the fuck. Là, pour le coup, par contre, au niveau du match-up, c'est un peu bizarre parce que d'un côté, on a Bilès qui tue vachement vite, mais un seul petit coup de rondoudou bien placé off-stage, et c'est la fin de la stock, contrairement à Hero où il avait plusieurs chances. Oui, mais son grappin, je pense, lui permet de plus facilement esquiver. Ouais, comme tu vois là, ça c'est vrai que c'est aussi un bon argument, ouais, ça aide pas mal. Et puis en plus, la range et le kill power, voilà, ouais, voilà. Et là, on trouve le tilt, hein, on a le lead. Merci. Ok, bon. Oui, le cast. Ok, là on a fait attention, hein, pour pas se faire tout frame, même si on avait plus d'invincibilité, on a compris. Ok, l'edgeboard qui va être trouvé. J'ai l'impression qu'il a un peu plus de mal. Ouais, on va parler de ça. Complètement missy boot. Ça aurait pu. La punition qui est gentille. Ça aurait pu être une plus grosse punition. C'est vrai, mais en vrai, dans ce moment-là, je pense qu'il a juste voulu prendre les dommages garantis. Il aurait peut-être faire Dunbe en vrai. Je sais pas si c'est assez rapide. C'est 4 secondes le reste quand c'est loupé. Je pense que ça passe. Oui, je pense que ça passe. Au pire, il gilde fin de la stock, quoi. Ouais. Ouh, Dun Smash qui est. Oh, le qui était décisif. Oh, le fou. Bah non. Ah, tout va bien. Oui. Il aurait pris la stock là-dessus, j'aurais pas aimé. Hein. Moi, je fais pas ça, hein. Ah putain, dommage, parce que là pour le coup, un Lechstrom comme ça là, c'est dévastateur. Avec Bless là, ça te prend des stocks à 50, frère. T'as que jamais le Jablock, c'est vrai, mais que veux-tu dans la vie. Je sais pas de suite à cette phrase.
Je sais pas si tu remarques, bon, mis à part là, mais Dilette se remonte extrêmement souvent par le haut. C'est vrai, et je pense qu'il a pas envie en fait de, d'avoir affaire au, à l'edgeward de. Putain, bien joué par le. Ouais, le neutral B comme ça. C'est vrai, c'est vrai. Mais il a pas envie ouais, de deal avec le l'edgeward de Puff. Et pour l'instant, voilà, là, tu vois. Tracer qui punit pas, c'est. Voilà, c'est beau F-tilt, hein. Ouais. Et là, pour le coup, on est vachement even, hein. Mm. Tout à l'heure, on était quand même déjà pas mal. Mais les deux s'affrontent souvent, donc forcément ouais. Que. C'est assez evenish. J'ai posé la question justement, qui battait l'autre en général. Dilette me répondait, c'est Ultrastar qui est meilleur que moi. Ultrastar me disait, c'est Dilette qui est meilleur que moi. Donc, Attends, mais ça, c'est une belle amitié, ça, ouais. Putain. C'est beau. Voilà, là, on va trouver le fer. Attention, ouais, faire attention à ce genre de setup. Putain, maintenant que j'ai joué avec Xenoblade 3, j'ai toutes les rêves du fond, c'est trop bien. Ok, faut faire attention parce que là, à tout moment, Biles peut upper le Rondoudou. Ok, il est à 0, mais s'il prend, voilà, le upper Donner. Ouais, le Donner qui a été tenté, qui ne passe pas malheureusement pour lui. Ouais, il a eu de la chance là-dessus, hein. Moi, j'ai envie que Dilette gagne une game, comme ça on a de nouvelles games. Mm. Une nouvelle game. Oh, le footstool. Et voilà, la dash attack qui va être retrouvée. Enfin, attention, là, quand on est au ledge, un gros smash comme ça, là. L'air dodge qui pour atterrir sur le stage, qui n'a pas été puni. Voilà, bien joué ici, on tourne autour du puff, hein. Ouh. Je sais pas ce qu'il s'est pris dans le dos. Il s'est pris un up tilt. Ok. Et le backer qui va trouver, et ouais. C'est la fin du coup du set. Bien joué, Extra Star. 3-0, mais 3-0 serré. C'est vrai, c'est vrai. Et là, pour le coup, il n'y a pas d'argument comme quoi son héros était meilleur ou sa bilesse était meilleure. Pour le coup, les deux étaient...